Bonjour à tous, votre JT des produits de bourse avec Trading Central. À l'une de l'actualité ce jeudi, Atos, le leader international de la transformation digitale, a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires de 2,82 milliards d'euros, en hausse de 0,4% sur une base organique, ce qui lui a permis de confirmer ses objectifs 2019. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre et visent des cibles à 97,08 € et 103,02 €. Carrefour rassure, le distributeur a vu son chiffre d'affaires grimper de 2,7% à données comparables au premier trimestre, un peu plus de 20 milliards d'euros, et a confirmé ses objectifs à horizon 2020. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre et visent des cibles à 17,06 € et 18,18 €. La stratégie du jour, Michelin, le titre a trouvé une zone de soutien sur les 110,04 €, niveau qui a préservé les cours le 23 avril et entraîné un net rebond. Celui-ci représentait par ailleurs le niveau de clôture du 9 avril, précédant une importante phase de progression. Du côté des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances se sont bien orientées au-dessus des cours, tandis que le RSI rebondit et ne se trouve pas en zone de surachat. Ainsi, tant que les 110,04 € ne sont pas enfoncés en clôture, la formation d'une nouvelle jambe de hausse est attendue sur le titre avec les 121,03 €. Puis les 126,95 € comme cible. Portez-vous à l'achat sur le Varan Call 1227T émis par UniCredit, de prix d'exercice 120 € et de maturité au 18 septembre 2019. Allez, on termine avec notre coup de projecteur sur le CAC 40. L'indice phare de la place de Paris montre des signes d'essoufflement à l'approche des sommets de 2018 à 5658 points. On surveillera ainsi les signaux de retournement qui pourraient apparaître. La moyenne mobile à 20 jours actuellement à 5500 points reste en soutien de la tendance. Le niveau d'invalidation à court terme se situe à 5423 points. Positionnez-vous à l'achat sur le Varan Call G792T émis par UniCredit, de prix d'exercice 5610 points et de maturité au 21 juin 2019. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Bonne journée à tous.